Et salut à toutes et à tous, c'est SecretOne14, on se retrouve pour la toute première édition du YouTube's Royal Rumble Match. Chaque participant a été choisi par un abonné et s'il gagne, il pourra me proposer un match qui sera fait prioritairement, c'est-à-dire pratiquement aussitôt que... dès que je peux en fait, directement, car il faut savoir que je fais les matchs seulement le week-end, mais là je ferai une exception exceptionnellement pour ce match. Donc je contrôle une superstar, je ne dis pas encore qui c'est, ça a été choisi au hasard évidemment. Je vous le dirai dès qu'elle arrivera sur le ring. Et je ferai tout le possible pour rendre le match réaliste, hein, et non pas avec ma superstar essayer de gagner à tout prix. Et bah écoutez, c'est parti, allez on est parti. It is now time for the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew numbers 1 and 2 will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Elimination occurs when you are thrown over the top rope and both feet touch the floor. The last remaining superstar will be declared the winner of the Royal Rumble and will advance to the main event of WrestleMania. Nous sommes partis pour ce Royal Rumble Match et je précise que je ne contrôle pour l'instant aucun des deux, je vous le dirai quand la Superstars arrivera. Et quel coup de genou de la part du Big Show. Et les malheureux abonnés qui ont choisi le Big Show et Sheamus voient qu'ils sont rentrés en premier et deuxième. Donc c'est parti, attention le Big Show qui est prêt pour une suplex sur Sheamus. Grande rivalité entre ces deux là en 2012, mais maintenant nous sommes en 2013 et je vous souhaite une bonne année exactement, même si on est déjà mi-janvier. Et là le Big Show qui va déjà essayer d'éliminer Sheamus. Donc c'est l'ordinateur hein, qui joue. Moi j'ai mis en aléatoire mon arrivée. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai. Enfin que la superstar que je contrôlerai arriverait. C'est pas moi. Et c'est CM Punk, the best in the world, qui arrive en numéro 3. Tandis que Sheamus et Big Show se foutent sur la gueule concrètement. Et là CM Punk s'en mêle. Mais Big Show qui s'en débarrasse facilement. Et le coup de genou là. On va peut-être éliminer le best in the world. Bon, attention, Big Show. Big Show qui peut faire un impact ce soir.
Est-ce que CM Punk va se faire éliminer? Non, pour l'instant, apparemment, on voit que... Oula, oula, CM Punk va se faire éliminer, attention, attention. Eh non, c'est bon, il a réussi à tenir quand même un peu. Là, Sheamus qui attend un peu sur le côté. Ouh. Oh, ça, ça a dû faire mal. Un petit STO comme ça. Et là, regardez Sheamus qui en profite. Ouh, je crois qu'ils allaient essayer d'éliminer à deux. Et c'est CM Punk qui essaie d'éliminer The Big Show. Tandis que Randy Orton arrive sur le Rumble. Ouh, et la droite du Big Show. Personne éliminé pour l'instant. Big Show qui prend l'avantage. Et attention, le Gutbuster sur CM Punk. Et Sheamus qui attrape Big Show par derrière. Et la suplex arrière sur le Big Show. Très dur à porter sur le Big Show. Ouh, et les trois hommes qui se ruent sur le Big Show. Ça y est, ça y est. Il n'y a pas que le Big Show en cible. Il y a CM Punk face à Sheamus. Et un formidable STO sur Randy Orton. Oh, des droites. C'est dur à commenter quand il y a beaucoup de monde. Randy Orton qui était sur les cordes. Attention, Sheamus dans le coin. Et CM Punk va essayer d'éliminer Sheamus. Tandis que le Big Show coup de tête dans l'arrière, sur la nuque de Randy Orton. Et Sheamus, non c'est bon, il est revenu. Un petit coup de coude bien placé. Et l'aveuglement qui remet Sheamus sur le coin. Tandis que dans 5 secondes, il y a une nouvelle superstar qui arrive. Donc c'est à 30 superstars, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Et c'est The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Qui en a gagné, si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire de conneries, deux. Dont un en arrivant en premier. The Showstopper. Tandis que les deux hommes, ouh, Randy Orton et Sheamus sont sur le coin, là, ils sont prêts à se faire éliminer, attention. Surtout Randy Orton, éliminé, le premier éliminé. Par le Big Show. En même temps, pour rivaliser avec la puissance du Big Show, il faut, hein. Oh, Enzo Gary, de la part de CM Punk. Et là, c'est Shawn Michaels face à au Big Show. Et attention, CM Punk, Swinging Neckbreaker. Et la Temi de Shawn Michaels. Ah, Shawn Michaels qui était contre la corde. La suplex arrière bien portée de la part de Sheamus. Shawn Michaels dans le coin. Et attention, le coup de la corde à linge. Et Shawn Michaels éliminé par le Big Show qui crée un peu de un climat de terreur autour de lui lors du Rumble. Et attention, ce coup-ci, c'est peut-être Sheamus qui va se faire éliminer, tandis que The People's Champion, The Rock, est arrivé et Sheamus s'est rattrapé au dernier moment. The Rock. Et là, c'est CM Punk. CM Punk qui se fait contrer par le Big Show. Big Show qui a déjà éliminé deux superstars, Randy Orton. Oh, Swinging Neckbreaker qui a éliminé Randy Orton et qui d'autre, je ne sais plus et c'est toujours pas moi, hein, je vous le dis. Attention, CM Punk. Oui, The Rock qui se fait contrer. Oh, coup de tête. Et là, droite dans la face du Big Show. Coup d'épaule. Et on retourne le Big Show. Et on essaie d'éliminer The Rock. Sheamus. Je pense à la puissance. Hein. Il a la puissance nécessaire. Attention, The Rock qui est penché. The Rock va se faire éliminer. Non, c'est bon. Par contre, c'est le Big Show qui peut se faire éliminer par The Best in the World. Tandis qu'un nouvel arrivant va arriver. Attention, le Big Show. Big Show éliminé par CM Punk. Et c'est The Big Red Monster Kane. Mais l'ancien Kane, The Old Kane, qui arrive. Avec la belle musique, l'ancienne musique. Et là, on a du beau monde. On a Sheamus, CM Punk, The Rock, Kane. Big Show qui s'en va. Et la prise à deux sur The Best in the World, Double DDT. Ouf. Il s'acharne et Kane qui vient de rentrer qui voit qu'on s'acharne. Ouh, le coup de pied, attention, CM Punk peut se faire éliminer. CM Punk et Kane la suplex arrière sur The Rock. Tandis que CM Punk va peut-être se faire éliminer par Sheamus. Non, c'est bon, coup de coude, il est revenu. Backbreaker, attention, non c'est contré. Russian Leg Sweep de la part du Rock. Et la Russian Leg Sweep aussi de la part de CM Punk. On relève Kane. Kane qui contre et qui envoie The Rock par dessus la troisième corde. On essaie d'éliminer The Great One. Où c'est contré, The Rock qui revient. Oh, attention, Sheamus. Le powerbomb de la part de Sheamus. Bien porté là sur CM Punk. Attention, Samoan Drop. Et c'est Kofi Kingston. Boom, boom et boom. Qui arrive sur le ring. Numéro 8. Et Samoan Drop encore. Et la suplex arrière. Le ring se remplit petit à petit. Le bulldog de la part de Kofi Kingston. Attention. Oh.
Backbreaker. Et là, c'est CM Punk qui essaie d'éliminer Sheamus. Et on va essayer de l'éliminer. Attention. Sheamus éliminé. Sheamus éliminé par CM Punk. Ah, ça avance ce Rumble, ça avance. Kofi Kingston qui va essayer d'éliminer The Rock. Tandis qu'un neuvième arrivant, je crois, qui va arriver. Et le Neckbreaker. Oh, attention, The Rock va se faire éliminer. Non, c'est bon, il s'est rattrapé. Et c'est Tensai qui arrive sur le ring. Et oui, comme pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accès au DLC. Et donc, pour info, je contrôle Tensai. Kofi Kingston, la planchette japonaise. Tensai qui attrape Kofi Kingston et qui s'attaque à la jambe. Ouf. Et on essaie d'éliminer Kane, mais Kane ne s'est pas fait éliminer. Attention. Oh, le coup de tête là sur CM Punk. Kofi Kingston qui attrape The Rock. The Rock qui compte. La suplex arrière sur Kane de la part de Tensai. Autrement dit, Albert. Coup de la corde à linge sur CM Punk. Et Tensai qui essaie d'éliminer CM Punk. Tensai avec sa puissance et sa violence. Attention, CM Punk va se faire éliminer. CM Punk, non, ça y est, il s'est rattrapé. Aveuglement sur Kane. Deux monstres rouges. Et un autre arrivant qui va faire son passage sur le ring. On essaie d'éliminer The Big Red Monster, tandis que Kofi Kingston essaie d'éliminer The Rock. Attention, Kane. Et c'est Sin Cara qui arrive et Kane est éliminé. C'est pris un mauvais coup là, The Rock. Oh, attention, The Rock éliminé par Kofi Kingston. Tout le monde est en rouge là ou quoi? Attention. Oh, attention, Tensai, qu'est-ce qu'il fait? Attention. Oh, Double End Chokeslam. Enfin, c'est une sorte de Chokeslam, mais c'est pas exactement ça. Je sais plus c'est quoi le nom de sa prise. Sin Cara qui va essayer d'éliminer CM Punk. Ouf. Tandis que Kofi Kingston qui souffre de Tensai. Non, ça y est, il revient. Droite de la part de Kofi. Et c'est CM Punk qui revient en s'accrochant aux cordes. Attention, Tensai. Tensai qui va se faire éliminer. Tensai, attention, le coup de la... Oh, non, pardon, coup de la cordage, coup de pied. Tensai éliminé, vous voyez, c'était moi. Donc je choisis une nouvelle superstar. Ce n'est pas moi qui choisis. Tensai éliminé. Il reste toujours CM Punk qui est là depuis presque le début. Je ne sais plus combien il est arrivé. Troisième, quatrième. On essaie d'éliminer Sin Cara. Non, il n'est pas éliminé. Faire attention à Kofi Kingston. Oh, le dropkick. Oh, attention, the next big thing. Brock Lesnar va faire son arrivée et ça va voler. Ouf. Et là, c'est 3, on va dire. Enfin non, 2 high flyers et CM Punk plutôt technique, mais qui est un peu high flyer quand même. Attention, dropkick, CM Punk dans le coin. CM Punk qui pourrait se faire éliminer maintenant, hein. Ça fait un moment qu'il est dans le match. Tandis que Brock Lesnar monte sur le ring. Attention, on va se faire éliminer CM Punk. Sin Cara n'a pas vu la suplex arrière. Et CM Punk éliminé. Et le coup de la corde à linge. Et le coup de coude. Coup de la corde à linge sur Sin Cara. Brock Lesnar ne fait pas de détails. Pour ceux qui n'ont pas vu sa carrière de UFC, je recommande quand même. Bon, même s'il n'a pas duré longtemps. C'est un suplex arrière et sa carrière à la WWE en 2003 à 2005, je dirais. Je crois. Attention, Kofi Kingston qui a repoussé The Next Big Thing, Rakanrala. Et là, c'est Sin Cara qui se fait contrer par Kofi Kingston, tandis que Ryback arrive sur le ring. On a deux monstres encore. Et là, suplex arrière. Feed me more. Droite de Kofi, encore une droite. C'est contré, le coup de la corde à linge. Le match devient intéressant. Hein. Il y a du stress qui s'installe. Et on envoie Brock Lesnar par-dessus la troisième corde. Attention, on va essayer d'éliminer Brock Lesnar. Tandis que Ryback essaie d'éliminer Sin Cara. Et Brock Lesnar qui a réussi à se tenir face. Ouf, la team, mais là, il n'a pas tenu debout. Attention, c'est contré. Coup de la corde à linge et ski. Oh, attention, Sin Cara, le Rakanrala sur Ryback. Une droite, Ryback, oh, le big boot esquivé. Et John Cena qui arrive. Brock Lesnar s'est contré le Armbreaker. Et attention, oh, sorte de bras à la volée là de la part de Sin Cara.
Quel match, quel match. Et Ryback est dans le coin. Ryback qui va se faire éliminer. Ryback éliminé. Et Brock Lesnar éliminé par les deux luchadors. Quelle élimination surprise, j'ai envie de dire. Ils avaient des finishers. Suplex arrière de la part de John Cena. Et un coup de pied. Sur John Cena, la suplex sur Kofi Kingston. Cena qui compte bien gagner ce Rumble. Épreuve de force entre les deux hommes. Cena qui en sort vainqueur. Et on voit Lesnar et Ryback qui repartent. La queue entre les jambes. Et le dropkick. Ouf, dans l'arrière là, de la tête là. Et Sin Cara. Et attention, c'est de Punjabi Nightmare. The Great Khali. Enfin maintenant, c'est Punjabi Playboy. Excusez-moi, ça a changé. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Attention, la suplex arrière de John Cena. Quel match, hein, quel match. C'est à l'entrée numéro 14, je crois, si je me suis pas trompé. Non, je crois que je me suis pas trompé. Et Great Khali qui arrive avec ses 2 mètres, je ne sais combien, 20, un truc comme ça. Ah, peut-être un peu moins. Attention, Great Khali, STO sur Kofi Kingston. Aveuglement de Great Khali. Et on va essayer d'éliminer Kofi Kingston. Great Khali qui met Kofi Kingston sur le coin, tandis que Sin Cara essaie d'éliminer John Cena. Attention, Kofi Kingston éliminé par le Great Khali. Oh, des droites. Regardez le Great Khali qui s'acharne sur John Cena. Oh, il s'est pris un coup d'avant-bras de la part de Sin Cara, mais j'ai l'impression que ça n'y a fait ni chaud ni froid. Coup de genou. Et John Cena qui va essayer d'éliminer Sin Cara, tandis que Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold Steve Austin arrive dans le match. Attention, John Cena. Oh! Ça a complètement détruit John Cena là. Et on envoie Sin Cara dans le coin. Et Great Khali qui va essayer d'éliminer Sin Cara, tandis que Stone Cold arrive sur le ring. Steve Austin. Et Sin Cara qui s'est remis. Là, c'est la face-à-face, face à Stone Cold. Enfin, entre Stone Cold, pardon, et John Cena. Et attention, on a éliminé Sin Cara. Great Khali. Face-à-face de rêve avec Stone Cold. Attention, John Cena qui a contré Great Khali. Oh, le Facebuster. Attention, Steve Austin. Attention, John Cena et de Great Khali qui vont s'acharner sur Steve Austin. Le double gutbuster. Tandis que l'Undertaker façon old school arrive. Oh, et Great Khali qui a sonné les deux. Il va essayer d'éliminer John Cena. Attention, le Great Khali. Steve Austin ne l'aide même pas. Et John Cena éliminé par le Great Khali. Oh, attention, le Great Khali qui est dans les cordes. Et l'Undertaker a failli faire en sorte d'éviter. Et le Great Khali qui s'en est remis. On se rappelle de la rivalité entre le Great Khali et l'Undertaker. Qui a fini dans un Last Man Standing match à Judgment Day 2006, je dirais. Hop. Bon, attention, regardez Stone Cold Steve Austin qui arrive à soulever de Great Khali. Punjabi Playboy. Great Khali qui s'en est ressorti. Oh, le coup d'épaule. Mais l'Undertaker s'est relevé pratiquement aussitôt. Et attention, Stone Cold qui va essayer d'éliminer de Great Khali. Et l'Undertaker encore qui arrive dans le match. Il y en aura deux. L'un old school et l'autre non. Bon, attention, Great Khali, regardez. Je ne sais plus c'est quoi le nom de cette prise. C'est quoi, bon bref. Écrasement de la tête. Oh, et Steve Austin qui saigne. Et qui s'est relevé. Oh, coup de tête là sur Great Khali. Une droite de la part de l'Undertaker sur Stone Cold Steve Austin. Attention, Great Khali qui s'attaque à l'autre Undertaker. C'est un peu dur à commenter aussi quand il y a deux Undertaker. Stone Cold qui a failli se faire éliminer. Oh. Et le Bulldog. Stone Cold qui envoie l'Undertaker dans le coin. Et qui va essayer de l'éliminer.
Tandis qu'un nouvel arrivant va faire son apparition. L'Undertaker est passé par-dessus la troisième corde et il contre Great Khali. Oh, et le surpassement! Et c'est Booker T qui arrive sur le ring à numéro 18. Attention, Great Khali qui a esquivé. Attention, Great Khali! Torture rack! Oh! Torture bombe! Can you dig it, sucker? Comme dirait King Booker. Ou Booker T, oui, pardon. King Booker, c'était en 2006, quand il avait gagné le King of the Ring. On essaie d'éliminer Undertaker, mais Great Khali s'est complètement fait avoir. Steve Austin aussi. Booker T qui envoie Great Khali dans le coin. Et il va essayer de l'éliminer. Attention, Great Khali qui est sur le coin. Attention, ça peut être très dangereux là. Et Great Khali qui revient. Tandis que Stone Cold va se faire peut-être éliminer par l'Undertaker. La suplex arrière de la part de Booker T. Descend du genou. Et c'est Dolph Ziggler et Stone Cold Steve Austin éliminés. Et le show-off qui fait son apparition. Great Khali. Attention, le coup d'épaule qui se fait avoir. Il va peut-être se faire éliminer. Attention. Tentative de la part de l'Undertaker. Attention, là. Il se fait pencher presque à l'extérieur. Attention. Oh, le dropkick de l'Undertaker qui élimine. Même pas encore. Great Khali a réussi à se retenir. Excusez-moi. J'ai du mal à trouver. Attention, Great Khali. Il va se faire éliminer. Great Khali qui se fait pousser à l'extérieur. Et bon, on aurait eu du mal à l'éliminer celui-là. Il y a toujours deux Undertaker. Booker T et The Show of Dolph Ziggler. Et l'Undertaker face à l'Undertaker. C'est beau. Ça serait un match de rêve de Undertaker, mais tout le monde sait que c'est impossible. Ouf. Une sorte de Russian leg sweep là. Coup d'épaule. Et l'épreuve de force entre Booker T et Dolph Ziggler. Sans surprise de tête. Et l'enfourchement de la part de Booker T. Undertaker éliminé, j'avais pas vu. Avec un big boot. Mais il en reste un, l'Undertaker. Et Booker T qui essaie d'éliminer Dolph Ziggler. Tandis qu'un nouvel arrivant va faire son apparition encore une fois. Quel numéro 20, non, je crois. Et c'est Mankind, le numéro 20. Et Dolph Ziggler qui essaie d'éliminer Booker T. Et Mankind, autrement dit Mick Foley, qui arrive tranquillement. Bang, bang! Booker T qui se fait contrer. L'Undertaker qui attend patiemment. J'ai envie de dire qui attend patiemment Mankind. Dieu sait que ces deux-là ont dû des beaux matchs. Attention Mankind, le Bulldog sur l'Undertaker. Et l'Undertaker qui envoie Mankind dans le coin. Non, c'est contré. Oh, le coup de foule. Attention, torsion du bras. Mankind qui contre. Et le... Oh! Et la descente du coude. Dolph Ziggler est sur le coin. Attention, il va se faire éliminer. Dolph Ziggler. Oh, Dolph Ziggler éliminé. J'avais pas vu. Et encore les coups d'avant-bras sur l'Undertaker. Dolph Ziggler éliminé. Et Mankind qui va essayer d'éliminer Booker T. Et c'est The Big Red Monster Kane. Mais Kane de notre époque. Et Booker T qui va peut-être se faire éliminer. Attention, non, Booker T n'est pas éliminé. Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé magnifiquement. Oh, le coup d'avant-bras. Il a été mis encore. Coup de la corde à linge. Le coup de pied là dans Mankind. On va essayer d'éliminer Mankind de du côté de l'Undertaker. Attention. Et Kane qui va essayer d'éliminer Booker T. Et Mankind se joint à lui. Kane et Mankind. L'Undertaker n'y touche pas. Et Dieu sait que l'Undertaker, Kane et Mankind ont eu une belle storyline ensemble pendant l'Attitude Era. Attention. Booker T éliminé évidemment face à ces trois là. Ils ont participé tous à des matchs NNSL. Ouh, Kane qui se fait contrer. Sauf que Kane là est de la mauvaise époque. Mankind qui se fait contrer par l'Undertaker. L'autre coup de la corde à linge. Et un nouvel arrivant qui va faire son arrivée. Droite. Undertaker. Et c'est Daniel Bryan. Ouf, là t'es mis. Et Kane qui essaie d'éliminer l'Undertaker. Mankind se joint à lui. Attention. Tandis que Daniel Bryan met son temps à arriver.
Bon, il y a un petit bug de musique, ça fait un petit moment qu'il y a ce bug là. Sur Royal Rumble, je l'avais déjà dit. Une droite sur. Attention, l'Undertaker qui va essayer d'éliminer Kane, tandis que Daniel Bryan se fait accueillir par un Bulldog. Ouf, descend du coude. Bryan qui a contré. Oh, le coup d'avant-bras et Kane éliminé par son frère. Demi-frère. Attention, le coup de la corde à linge. Le coup d'avant-bras, surpassement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Coup de pied. Daniel Bryan qui a contré la suplex arrière sur Mankind. Je sais pas, on est numéro combien. Attention, Daniel Bryan. Daniel Bryan, Tiger suplex arrière. Et c'est John Cena de 2004 qui arrive. Et Daniel Bryan va se faire éliminer. Attention. Daniel Bryan est proche de se faire éliminer. Undertaker et Mankind sont sur lui. Et mine de rien, l'Undertaker est là depuis très longtemps. Daniel Bryan, il s'est rattrapé. Mais Mankind est toujours là. Attention, Mankind. Mankind qui élimine Daniel Bryan. Oui, John Cena avec ses chaussures orange horribles, excusez-moi, mais j'aime pas. Attention, John Cena qui s'est fait contrer par l'Undertaker. John Cena, le coup de la corde à linge. Une droite de la part de Mankind. Encore une. C'est contré le DDT. Undertaker qui vient d'éliminer John Cena à peine arrivé. Attention, Mankind. Big boot. C'est contré. Ouf, coup de coude. On s'attaque à la face de l'Undertaker. Et j'ai même pas eu le temps de regarder en quel numéro. Attention, l'Undertaker est au centre du ring. Mankind sur la troisième corde. Oh, droite. Et c'est Jay Uso, encore le bug de musique. Dommage parce qu'il vient de sortir en DLC. Attention, le Pie Driver. Ah, d'accord, le super bug, et ben ça sera un Bulldog encore. C'est dommage parce que la musique de Jay Uso est pas mal. Attention, l'Undertaker qui est touché à la jambe et qui se fait recontrer. Une droite. Et attention, le Bulldog de la part de Jay Uso. Et c'est contré de la part de Mankind. Une droite de l'Undertaker. C'est contré, une grosse droite. Et on envoie Jey Uso par-dessus la troisième corde. Et attention, Mankind qui s'est fait contrer. Ouf. Il y a Jey Uso qui a foncé dans le tas. Prise de tête. C'est contré, une droite. Coup de pied. Undertaker qui prend Jey Uso. Mankind qui va l'aider. Comme l'ancien temps. Double Godbuster. Et descente du coude. Regardez Mankind qui montre peut-être Mister Soko, tandis que The Rock fait son entrée avec toujours ce saloperie de bug de musique, bordel de merde. Et l'Undertaker et Mankind qui sont sur Jey Uso. Est-ce que Jey Uso va se faire éliminer? Attention, peut-être. Jey Uso éliminé. Et encore un pile driver pendant que The Rock arrive. Pile Driver qui fait saigner l'Undertaker qu'il a depuis 3 ans. Oh, il s'est fait contrer l'Undertaker. The Rock, pardon, attention. Mister Soko. Oh, The Claw. The Mandible Claw. Ouf. Et il s'est fait contrer The Rock. Coup de pied de la part de l'Undertaker. Et l'Undertaker, le coup de la corde à linge qui élimine Mankind. L'Undertaker est toujours là. C'est quand même incroyable. Mankind était resté assez longtemps. L'Undertaker face à The Rock. Le Rock année 90. Et le Rock qui va essayer d'éliminer The Deadman, The Phenom. Tandis qu'un nouvel arrivant va faire son entrée. Et c'est Wade Barrett qui arrive. L'ancien leader de la Nexus, de Barrett's Barrage. Une droite de la part de Wade Barrett. Oh. Ça y est, il y a de la musique, c'est génial. Et le coup de la corde à linge de la part de Wade Barrett qui monte sur la troisième corde. Attention! Oh! Il s'est fait contrer le Shock Slam! Oh, je m'y attendais même pas. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les. Pas qu'avec les finishers en fait. Je pensais que c'était que avec les finishers et là en fait il y avait plus. Belly to belly overhead suplex. The Rock qui s'attaque à Wade Barrett. Et un nouvel arrivant encore. The Rock! Ouf! Coup d'avant-bras dans le genou gauche là.
Les droites, ça frappe, et c'est X-Pac, le membre de l'ADX. Oh, coup de genou dans le dos, dans la tête, l'arrière de la tête de Wade Barrett. Il reste 3 participants à venir. Ouf, une droite, c'est contré. Prise de tête de la part de l'Undertaker. Coup de coude. Une droite, c'est contré de la part de Wade Barrett. Coup de la corde à linge. Wade Barrett. Attention. Oh, X-Pac qui relève The Rock. Et là, c'est Wade Barrett qui en profite. Attention, follow-up slam. Oh, là, Wade Barrett qui s'attaque à X-Pac. Mais X-Pac qui revient. Torsion du bras. Et là, l'Undertaker est là depuis longtemps. Et on... ouf. S'attaque au bras de Wade Barrett. Coup de pied. Et un nouveau va arriver. Wade Barrett et X-Pac qui s'attaquent à The Rock. Et le double Godbuster. Et c'est Rey Mysterio. X-Pac qui s'est fait avoir. 619. Attention, on envoie X-Pac par-dessus la troisième corde. Et le coup de la corde à linge qui élimine X-Pac de la part de Wade Barrett. Le coup de la corde à linge de la part du Rock. Et le DDT sur Rey Mysterio. Wade Barrett à moitié KO. Il s'est fait avoir. Attention. Oh, saut chassé de la part de Rey Mysterio sur l'Undertaker. Le coup de la corde à linge de Wade Barrett. Et attention. Wade Barrett qui est prêt sur The Rock. Le powerbomb. Sit down. Powerbomb. Et on relève The Rock. Attention, qu'est-ce qui se passe? Droite, The Rock. Et l'Undertaker qui va essayer d'éliminer The Luchador. Attention, et The Game, The King of Kings, Triple H, en numéro 29. Et attention, c'est contré. Russian Leg Sweep. Et le saut chassé qui a failli éliminer l'Undertaker. Et Wade Barrett, attention, le powerbomb, c'est contré de la part du Rock. Et Wade Barrett qui saigne, je crois. Sont chassés de la part de Rey Mysterio. Attention. Ouh, Undertaker qui est là depuis très longtemps, mon dieu. Oh, une droite dans ses contrées. Enfin, c'est esquivé surtout. Une droite de la part. Attention, Wade Barrett qui élimine Rey Mysterio. Et l'Undertaker qui veut éliminer The Rock. Et The Rock qui ne s'est pas fait éliminer. Là peut-être. Attention, et Triple H, Wade Barrett, qui pourrait être un bel affrontement, je pense. Attention, Triple H qui est prêt pour une suplex. Et l'Undertaker qui n'arrive pas à virer The Rock. Oh, la suplex. Nous allons accueillir le dernier arrivant. Ça sera les 5 derniers. Attention. Et c'est The Miz. Et le coup de genou. Attention, le last ride à l'extérieur du ring. Oh, quelle élimination du Rock, j'avais pas vu. Quel last ride de nulle part. Et le coup de la corde à linge. Ouf. Et attention, belly to belly, overhead suplex. Les 4 derniers, ils sont là. Undertaker qui est encore là. Wade Barrett, non, qui s'est fait encore contrer. La suplex arrière du Miz sur Triple H. Et le coup de genou. Là, les 4 abonnés qu'on choisit doivent être contents. Je pense que le plus stressé doit être celui qui a l'Undertaker, car il a subi assez de dégâts. L'Undertaker dans les cordes et le Big Boot esquive qui est repoussé. L'Undertaker est invincible dans ce ring, c'est incroyable. Et la suplex de la part du Miz. Attention, le coup de pied qui envoie Wade Barrett. Coup d'épaule. Oh, Wade Barrett qui a contré le coup de la corde à linge. Une droite de la part de le Triple H. Et on envoie de Miz dans le coin. On envoie Triple H dans le coin. Attention, le splash sur les deux hommes de la part de Wade Barrett. Une droite sur Triple H. Et Wade Barrett qui va essayer d'éliminer The King of Kings. Attention, Wade Barrett qui va essayer vraiment de l'éliminer. Tandis que derrière ça se fight entre l'Undertaker et The Miz. Triple H éliminé. Oh. Et les trois hommes, on les connaît. Et attention, le Miz qui s'est fait avoir. Et le Big Boot sur l'Undertaker. Wade Barrett qui fait le ménage. Et on envoie le Miz dans les cordes. Avec de l'élan, le Spinebuster. Attention, attention, l'Undertaker. L'Undertaker
qui va envoyer The Miz à l'extérieur du ring. Le last ride de nulle part. Et Wade Barrett qui en profite. Le Wasteland au milieu du ring. Et Wade Barrett, je crois qu'il n'a plus qu'à l'envoyer à l'extérieur du ring. Wade Barrett, regardez qui pavane. Il ne reste plus que Wade Barrett et l'Undertaker des années 98. Et voilà, on les voit. Bon, la superbe animation qui arrive 3 ans après. Il ne reste plus que de Wade Barrett et l'Undertaker qui est là depuis la moitié au moins. Attention, une droite de Wade Barrett. Une droite. Et oh, l'Undertaker qui s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il fait Wade Barrett? On envoie l'Undertaker à l'extérieur du ring. Oh, l'Undertaker qui s'est rattrapé. Attention, Undertaker s'y attend pas. Le Big Boot, surpassement. Il y a un coup de pied de la part de l'Undertaker. Attention, on l'envoie dans les cordes. Et le coup de la corde à linge, encore un surpassement, pardon. L'Undertaker. Ouh, l'Undertaker. L'Undertaker qui va essayer d'éliminer Wade Barrett. Wade Barrett, pff, il s'est fait boxer carrément. Oh, Wade Barrett dans le coin. Attention, Wade Barrett qui va peut-être se faire éliminer. Non, il repousse. Et coup de la corde à linge. On monte sur la troisième corde. Attention, l'Undertaker s'est relevé. Oh, c'est magnifique. Le Tombstone Pile Driver. Comme le Shock Slam de tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que c'était le même Undertaker. Oh, et Wade Barrett, ça doit être KO. Et Undertaker qui boxe Wade Barrett. Wade Barrett qui se relève. Et on envoie Wade Barrett dans le coin. Et on va essayer de l'éliminer. Undertaker qui essaye, mais qui se fait repousser. Big Boot, encore un surpassement. Une droite, encore une droite, et encore une. C'est contré de la part de Wade Barrett. Oh, Wade Barrett qui était parti pour une superbe droite. Attention, Wade Barrett qui va peut-être se faire éliminer. Attention, Wade Barrett, il suffit de peu. Attention. Wade Barrett qui se fait éliminer. Non, Wade Barrett s'est rattrapé. Oh, le coup de pied. Oh, le coup de pied. Wade Barrett. Et l'Undertaker qui va essayer de l'éliminer. Attention. Il n'y a juste à le pousser. Et l'Undertaker qui ne fait rien, bizarrement. Eh ben, c'est tant mieux pour Wade Barrett. Allez, Wade Barrett, faut qu'il tienne encore un peu. Wade Barrett a tenu. Bravo Wade, mais il se fait encore avoir par un coup de genou. Oh, attention, l'Undertaker, le Shock Slam par-dessus la troisième corde. Magnifique. Et le magnifique Royal Rumble match se clôture sur un sublime Undertaker qui a tout détruit dans ce ring. C'est vrai qu'il est, je ne le contrôlais pas. Mais je n'ai pas non plus été à 100% avec mes personnages. Pourquoi? Sinon ça aurait été abusé. Et donc voilà, on connaît le vainqueur, l'Undertaker des années 98 à peu près. Et donc le gagnant, si je regarde sur ma fiche, c'est Gamer R92. Donc bravo à toi déjà d'avoir choisi le gagnant. Et bah, tu pourras me proposer ton match soit en commentaire de cette vidéo, soit en commentaire privé, comme tu veux. C'est comme tu le sens. Et sinon au pire je t'enverrai un message si jamais t'as toujours pas envoyé de message. Enfin voilà, l'Undertaker qui a fait un beau match. Et je trouve que c'était un beau Royal Rumble. Assez disputé, hein, y a pas eu vraiment de... Bah, à part cet Undertaker là, mais... Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo que GamerR92 aura choisi. Et pour les prochaines vidéos de WWE13 et tous les autres jeux. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé du bon temps. Moi j'ai plus de voix, mais c'est pas grave, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et bah merci à vous. Allez, salut.